Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, me voilà dans mon café. Excusez-moi, mais je me suis fait mal ce matin. Donc, n'ayez pas peur, c'est rien. Hein. Je suis quelqu'un de très fragile, on va dire. Donc, je me fais mal pour un rien. Donc, bon, c'est pas grave. Ça va passer dans la journée, moi, c'est pas. Voilà. Alors, nous voilà. À présent pour le tirage au sort. Alors je ne veux pas montrer ma tête parce que je suis dans un état lamentable. Le moral n'est pas au beau fixe, donc c'est la tête de mes mauvais jours, on va dire. Et je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter d'abord mon avancée. Voilà, mon avancée sur la petite japonaise. Voilà, je suis déjà là, vous voyez, j'avance pas mal, voilà, ça c'est ma petite avancée, c'est la petite japonaise. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être contents parce qu'ils me suivent beaucoup pour le DP, mais je me suis amusée à faire une petite boîte d'abord, comme celle-ci, voilà, c'est ma petite boîte, c'est la boîte. La carte, hop, et je fais mes petites cartes et je les mets dedans. Voilà, je fais mes petites créas et je les mets dedans. Alors d'abord, je fais un petit lapin, voilà, un petit lapin tout mignon, tout beau. Je l'adore en plus. Je sais pas sur quelle chaîne j'ai pris ce truc, mais c'est génial. Alors là, je l'ai noté, c'est sur Kiki Création 17. Elle m'a montré comment faire une petite carte rosace, comme celle-ci, voilà. Donc, je l'ai reproduite, voilà. Alors, Kitty, si tu passes par là, voilà, je l'ai reproduite, tu me diras ce que t'en penses, hein, parce que il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a que le devant que j'ai fait. Et tu me diras ce que tu en penses. Merci, Kitty. Alors, voilà. Et là, oh. Oh, je fais des bêtises. Parce que les papiers doivent être plus grands. Mais moi, je voulais pas les faire très grands. Donc, cela, c'est Scrap Elise. Alors, c'est pareil. Si tu passes par là, dis-moi ce que tu en penses. Alors, c'est un mini men's tag book. Voilà. Voilà. Alors, vous avez dedans, comme ça, vous pouvez. Vous pouvez mettre des petites choses, quoi. Hein. Voilà. Alors là, c'est les petits tags. Voilà. C'est les plus grands. Alors, j'ai essayé de changer un peu. Hein, voilà, toujours voilà, le même. C'est le papier que j'avais acheté à Shopping China au Portugal. Celui-ci aussi, voilà, voilà, ça c'est voilà, voyez, je l'aime bien celui-là, celui-là c'est l'envers de, ah, zut, de celui-là, voilà, voilà, ici il y a une petite tag aussi, voilà, j'ai mis des petites minces pour rappeler le rose de. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà, c'est pour rappeler le rose des autres tags. Voilà. Voilà. Là, c'est la petite pochette. Vous voyez. Là. Voilà. Notre petit tag. Le plus grand. Avec sa petite pochette encore. J'aime bien celui-là, j'aime bien, j'aimais bien, c'est avec ces petites robes, ces petits trucs là. Voilà. Et le dernier, le voilà. Pareil. Alors, Scrap Elise. Je n'ai pas de truc pour faire les trous là. Voilà, pour faire les trous. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris oh là, ça y est, je ne sais plus parler. Je vous montre. Bougez pas.
Je vais vous montrer ça. Alors, voilà, voilà, perforatrice. Alors moi j'ai une perforatrice à forme de petit cœur comme ça. Et bien j'ai fait les petits cœurs à la place. Mais ça marche très bien. Voilà. Je voulais te le dire. Ça marche très très bien. Pour moi j'ai pas d'autres perforatrices. Moi j'ai pas de. Pour faire les petits trous, j'en ai pas. Donc j'ai trouvé ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est mes petites créations, voilà. Voilà, voilà. Hop, on range dans sa petite boîte. Et voilà, tout est rangé. Bon, ben maintenant je sais que vous l'attendez tous, on va faire le tirage au sort. Alors, petit changement. Parce que la dernière fois, vous étiez pour les 100 abonnés. Vous étiez 21 participants et pour les 200, vous êtes 35. Donc, écrire tous les dons, d'abord sur mon cahier parce que je veux garder de traces et après sur des papiers. Alors, si vous allez sous vos commentaires de participation, de ma vidéo participer pour le mercredi 29, alors j'avais mis mars mais c'est avril évidemment, vous avez tous rectifié, tirage au sort de, elle est datée du 25 avril, sous vos commentaires ce matin, j'ai mis une réponse supplémentaire avec vos numéros d'attribution. Vous avez tous un numéro, alors ces numéros, les voilà. Voilà, j'ai mis des numéros sur des bouts de papier. Il y a 34, pardon. Là, 5. Bon, oui, j'ai tous les numéros là. Alors, vous êtes 35 participants. Moi, je suis très, très, très contente. Ici, la revoilà, ma petite boîte. Tout le monde avait trouvé ça tellement joli. Je l'ai reprise. Hein. Et je mets tous les petits papiers dedans. Voilà, je vais brasser, je vais demander à mon mari de venir et avec sa petite main il va tirer un numéro. Le voilà. Alors quel numéro? C'est le numéro 15. Alors, c'est qu'il y a numéro 15 à gagner. Alors, je vais noter. Je vais noter vos noms ici, sur ce cahier. Donc, le numéro 15, c'est Maria Elena Le Breton. Eh bien, Maria Elena, t'as gagné le DP. Alors, je suis comme une imbécile parce que je ne l'ai pas à côté de moi. Donc, je vais aller chercher. Mais, Maria Elena Le Breton, tu as gagné. Voilà, je reviens tout de suite. Là, aller chercher. Je l'ai. Alors, le voilà. Voilà le DP que tu as gagné. Ainsi que le stylet que j'avais fabriqué, voilà, et une petite boîte pour mettre le stylet, voilà, ça c'est fabrication maison, hein, tout ça, hein. Voilà, voilà, t'es pas obligé de t'en servir, hein. Voilà, alors par contre, je ne t'enverrai ça que après le déconfinement, évidemment. C'est comme pour Kitty, la pauvre qui attend, Kitty Gélatine qui attend son DP des 100 abonnés. C'est tombé pile juste avant le confinement, j'ai pas eu le temps de lui envoyer. Ça fait que c'est resté ici. Et toi, ben, je vais te mettre avec son enveloppe. Et dès la fin du confinement, je posterai vos deux enveloppes sans aucun problème. Voilà, mais j'espère que ce petit tirage au sort vous a fait plaisir. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Je vous remercie. Ça, c'est la moindre des choses. Hein.
Vous êtes tous très très agréables avec moi en commentaire. Je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires. Alors ça m'a fait plaisir. Et on se retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo très vite. Et j'espère qu'il y aura encore plus d'abonnés pour arriver jusqu'au 300. Et au 300, promis, il y aura encore un tirage au sort. Je ferai un tirage au sort tous les 100 abonnés. Sans problème. Voilà. Bon, ben, je vais vous faire un gros bisou. J'espère que ceux qui passent par là, ça leur a plu et qu'elles s'abonneront pour ne pas louper une autre vidéo. Et vous inquiétez pas, hein, je passe du temps sur du scrap, mais c'est vrai que j'en fais plus beaucoup. Si vous voulez que je fasse du scrap en vidéo, demandez-le moi. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est surtout du diamond painting. Hein. Et le peu de scrap ou de choses que je fais, c'est en rapport avec le diamond painting. Parce que en ce moment, j'ai une petite préférence pour le diamond painting. Mais si vous voulez que je fasse du scrap, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Hein. J'en ferai. Voilà. Bon, mais je vous embrasse très, 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 très fort. Faites attention à vous et à vos enfants, à vos familles. Au revoir et à très bientôt. Bisous.